Salut à toutes et tous. Alors, eh bien, voilà encore une vidéo de scandale, hein. Une vidéo de protestation, une de plus, hein, que j'aurais voulu ne pas avoir à faire, mais je le fais parce que ben on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. Voilà. Oui, parce que ma présence sur YouTube, avant tout, c'est pour construire, hein, c'est pour être positif. C'est vraiment une perspective de bâtir, hein. Voilà, c'est pour le projet Gaudessart, avant tout, hein. C'est pour que je puisse faire connaître le projet Gaudessart qui a vocation à nous grandir, voilà, à grandir la France, hein, qui en a bien besoin si elle veut rester à la hauteur de ce qu'elle a fait de bien, voilà. Donc, bon ben, je reviens donc à cette vidéo là maintenant. De protestation, encore une fois, pour dénoncer tout ce qui pourrit la qualité de vie en France, tout ce qui, enfin, le problème du système, voilà, hein, du système économico-politique, voilà. Oui, alors là, eh bien, je réagis un petit peu par rapport à l'actualité. J'ai entendu par des médias d'un livre qui vient de sortir. Hein, et bon, je ne l'ai pas lu, ce livre. Donc, je ne vais pas en faire la critique, hein, puisque je ne l'ai pas lu. En tout cas, le sujet mérite bien d'être évoqué, parce que c'est vraiment ce qui nous concerne directement. Ce livre s'intitule Les intouchables d'État. Voilà. Les intouchables d'État. Bienvenue en Macronie. Voilà. L'auteur est Vincent Jauvert, le livre des éditions Robert Laffont. Voilà. Et j'en parle parce que ça correspond donc aux vidéos donc d'indignation, hein, que je fais, que j'aurais aimé de ne pas avoir besoin de faire, hein, que vous pouvez trouver donc sur la chaîne Mister Tolric. La vidéo de ce genre précédente, c'était celle par rapport au scandale du Premier ministre qui a dépensé pour le confort de ses fesses 350 000 euros, hein, juste pour une histoire de 2 heures, pour gagner 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus, de vol long courrier, hein, lors d'un vol long courrier. Voilà, j'en avais parlé dans cette vidéo, hein, intitulée ah oui, Macron, la 5e République plus monarchique que la monarchie absolue. Hein, voilà. Voilà, j'avais nommé la vidéo comme ça. Oui, alors,
Bah, oui, alors ce livre, donc, de Vincent Jouvert, eh bien, dénonce bah, toujours pareil, hein, ce système de caste très fort en France, ce système de cooptation, ce système qui vampirise complètement la population. Et donc, bah, qui dénonce bah, le problème des hauts fonctionnaires qui ont fait, seraient plus. Vont de pair avec le système politique et donc finalement aurait tout comme les détenteurs de la haute finance seraient les gens aussi qui en profitent un max et tiennent vraiment en fait le pays en main. Voilà. Donc voilà, donc il parle de ces hauts fonctionnaires. Bon, en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Voilà. Bon, c'est tout, mais bon, bon, à moins d'être naïf, de toute façon, ça fait des années, des années, des décennies qu'on s'en doute de tout ça. Mais là, ça paraît tellement de plus en plus flagrant. Voilà. Bon. Et c'est pour cette raison que, bah, que je n'ai pas voté, hein. Moi qui, en bon citoyen, allais voter, même sans y croire, eh bien, j'ai jamais été dupe, hein. Mais bon, en bon citoyen pigeon, hein, tout de même, je faisais mon devoir électoral, hein, voilà, d'aller voter. Bon. Sauf aux dernières élections électorales, hein, d'il y a 6 mois, hein, d'il y a ou un peu plus. Bon. Voilà. Bon, donc, bah, intéressez-vous à ce sujet, parce que. C'est de vos intérêts avant tout qu'il s'agit, hein, puisque même quand on est fauché, hein, même pour les gens les travailleurs pauvres, les gens qui sont au RSA, etc., même eux n'échappent pas aux impôts, hein, par la TVA, par tout ça, personne n'y échappe. Dès qu'on commence à gagner un petit peu d'argent, hein, très peu, hein, juste un peu plus que le RSA, parce que, bon, eh bien, dès qu'on gagne un petit peu honnêtement de l'argent, eh bien, pouf, pam, tout de suite, bah, c'est les impôts, c'est les taxes, voilà. Quand à côté, ça n'est pas les amendes diverses et variées. Bon, c'est. Enfin, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est. C'est ça, c'est déshabiller les uns pour habiller les autres. Ou même, c'est soi-même. On s'en revient à ça. C'est à un moment se faire prendre de l'argent pour qu'on vous le redonne. Enfin bon, ça n'a pas de. Ça n'a pas de sens. Hein. Voilà. Bah voilà, il y en a. On est vraiment fatigué, fatigué de ce système. Voilà. Bah voilà pourquoi moi je. Sous la Ve République, je n'irai plus voter, hein, c'est terminé. Voilà, puisque je ne vois pas d'autre solution que. On parle de changement, mais il n'y aura pas de changement tant qu'on ne changera pas
qu'on sera sous la Ve République, voilà. Tant qu'on ne reverra pas complètement la Constitution. Voilà, c'est tout. Mais ça ne peut venir que de la population. Parce que tant que la population ne se laisse porter par le système, par les politiques, eh bien ça ne changera pas. En tout cas, pas dans le fond. Sur la forme, oui, pour nous faire croire que, mais sur le fond, ça ne changera pas. Voilà. Puisque le système n'a aucun intérêt à ce que ça change. Donc, ça ne changera pas. Voilà. Donc je ne vote plus parce que tout est arnaque, hein, tout est hypocrisie, tout est donc ça voilà. Donc après si on me dit bah oui mais tu ne votes pas donc tu ne participes pas à la vie politique etc. Eh bien si parce que dans mon cas, participer à la vie politique, eh bien, c'est de ne rien lâcher. Et donc, pour moi, ne rien lâcher, c'est réaliser le projet Gaudessart. Voilà. C'est réaliser ses objectifs. Hein. Et dans mon cas, via le projet Gaudessart, eh bien, il s'agit avant tout d'une entreprise. D'une vaste entreprise commerciale, mais aussi sportive, culturelle, qui va au-delà de simplement une entreprise commerciale. Voilà. Commercial dans le sens que étant le projet Gaudessart étant avant tout maritime, il faudra bien qu'il passe par la création d'une compagnie maritime. Voilà. Hein, donc commercial en ce sens. Bon. Voilà, c'est pour dire que vraiment, on n'en peut plus de ce système qui fait qu'on est pressé, hein, la population française, le contribuable est pressé comme un citron. Et donc on n'en sort pas. Voilà, parce que il n'y a qu'une minorité d'énarques, une minorité il ne faut pas se la raconter, hein. Je crois que tout le monde a compris, on n'a pas besoin de dessin. Hein. Il suffit juste de ne plus accepter la mauvaise soupe qu'on nous sert. Voilà. Bon. Donc, intéressez-vous au sujet, hein. Donc à ce livre. Les intouchables d'État, bienvenue en Macronie. Voilà. Parce que je suis étonné du peu de réaction qu'il y a par rapport à ces scandales. Hein. Dernièrement, concernant donc le gâchis lors du vol du Premier ministre, hein, du vol de de la Nouvelle-Calédonie à la métropole, apparemment, bien que ça ait été quand même relayé par les médias, j'ai pas vu beaucoup de réactions via les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc ça m'a étonné, parce que là, c'est vraiment un scandale. Je sais pas. Apparemment, ça n'a pas beaucoup de gens doivent se plaire dans le fait d'être vraiment pris pour des cons, hein, d'être réduit à l'état
réduit à l'état d'esclave. Voilà. Voilà. Donc d'être réduit à l'état de... Bon. Bon, bah... Bon, allez, je vais arrêter là. Ce que je voulais, c'est... bien faire connaître cette parution qui encore une fois je n'ai pas lu mais qui vraiment oui enfin tout ça se corrobore puisque on a aussi en ce moment le fait divers du Nutella hein, qui dans les magasins de grande surface donc où des clients des gens ont été jusqu'à se battre pour une promotion du Nutella juste qu'il y ait des gens de la population qui soient pauvres hein, paupérisés au point d'aller jusqu'à se battre pour 3 euros hein. Puisque la réduction, je crois, en gros, hein, c'était à seulement 1,05€ au lieu de 4 ou 5 euros le kilo. Ou, enfin voilà, que d'un côté, vous avez des gens qui vont jusqu'à se battre, maintenant en France, paupériser au point d'aller jusqu'à se battre pour ça. En plus, entre nous, le Nutella, bon, ça fait partie de toutes ces saletés industrielles chargées en fat. Enfin en sucre, qui ne peuvent que vous remplir de fat, hein, et donc pour la santé, bon, j'en passe, enfin bon, il vaut mieux consommer des fruits et légumes et de la bonne viande de qualité, hein, que, bon, et puis, bon, je dis ça, j'adore le chocolat, mais moi c'est chocolat noir, c'est tout, bon, chocolat qui soit pas... qui soit pas ultra chargé de mauvais sucre. Voilà, c'est ça le chocolat noir. Bon, ben voilà. Donc, que d'un côté, on en arrive là. Hein, et de l'autre, eh bien, les politiques, le Premier ministre comme ça, dit... Oh, ben, j'ai préféré dépenser 350 000 euros pour ne pas me fatiguer, pour ne pas être en retard de 2 heures ou 3 heures en métropole. Voilà. Bon, voilà où on en est. Hein. Donc, quand on fait le parallèle, bah, on voit bien que hein, à quel point les choses sont graves. Voilà. Et la France mérite beaucoup mieux que ça. Voilà. Voilà. Bon. C'est pour ça que oui, parce qu'il disait, ce Premier ministre, ouais, mais bon, c'est le système qui le veut, c'est comme ça, c'est le régime qui le veut, lapsus, c'est le régime qui le veut, c'est comme ça. Bon, eh bien, le régime qui le veut, ben, on va voir si la population le voudra longtemps, ce régime. De la 5e République. Voilà. Donc, ben voilà. Comme je souhaite une France qui se sorte de cette dégénérescence, une France forte, eh bien, pour se sortir de là, ben voilà, je ne vois que les futurs États-Unis d'Europe. Hein, qui n'a rien à voir avec la communauté européenne. Voilà.
Mais ça, une fois encore, ça n'est que par la population que ceci pourra se réaliser. Là, inutile de compter que sur les politiques et l'oligarchie, voilà, et le système. Ceci, cette nouvelle France, grande France, et cet États-Unis d'Europe, hein, eh bien, qui pourrait faire revenir, donc faire de la première puissance mondiale, eh bien ça, ça ne pourra émerger vraiment que par la volonté du peuple, de la population, voilà, qui quand même, en France est de 67 millions d'habitants, dans les 400 millions, hein, qui pourra approcher, on pourra arriver aux 2000 milliards pour ce qui est de l'Europe. Voilà. Et avec ça, eh bien, les futurs États-Unis d'Europe pourront peser dans le monde. Voilà. Allez. Bon courage. Il y a plus.